Wesh la famille, c'est comment? On se retrouve de nouveau sur Dramé. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active ta cloche de notification si tu es nouveau à la chaîne. Comme ça, si je sors de nouvelles vidéos, tu seras au courant. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de Iba Montana, Abba Wayne, en plus Didi B. Avant de commencer la vidéo, laisse-moi un petit like pour m'encourager et tout. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Allez, c'est parti pour le news, les gars. Ouais la famille, comme je vous ai dit, franchement vous devez savoir que Iba Montana c'était un grand gangster en Afrique de l'Ouest. Quand il veut citer les gangsters, les rastas en Afrique de l'Ouest, il faut franchement citer Iba Montana parce qu'il fait en partie. C'est un grand gars terrible, les gars. Il faut que vous le sachiez ça, franchement. Là, il est sorti dans la prison qu'il y a même pas deux mois de cela. Et il poste une image sur sa page Facebook, tantôt sur Instagram et tout. Mais on n'entend rien de ses nouvelles, pas de nouveaux clips, pas de nouveaux sons et tout. Mais je sais que pour l'instant, il est en train de préparer un lourd son pour ses challenges. Iba Montana s'adresse à une justice du Mali, mais il n'a pas précisé la justice, les gars. Précisément, il s'adresse au procureur, monsieur le procureur et tout, en disant, on se dit la vérité, rien ne mérite un mensonge, monsieur le procureur. Il n'a pas désigné de procureur, il n'a pas désigné de justice et tout. Mais puisque dans la justice, c'est monsieur le procureur qui fait la justice et tout, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'est adressé directement à monsieur le procureur. Abba Wayne nous présente l'avant-goût de son nouveau clip qui sort le 21 de ce mois. Donc restez connectés la famille, ça sera du lourd. Voilà maintenant la famille, on passe au sujet de Didi B. Parce que son son, il n'y a pas l'argent dedans, il y a beaucoup d'hommes qui se sont demandés pourquoi il dit ça, pourquoi il a fait le son. Eux-mêmes, Debeto l'a clashé par rapport à ce son-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Debeto, c'est un rappeur malien. Voilà. Quand il était allé faire son anniversaire au Mali, parce qu'il a bien aimé le Mali aussi. Donc là-bas, Debeto l'a clashé sur le son, il n'y a pas l'argent. Pour ce clash, Didi B n'a pas répondu et tout. Mais aujourd'hui, il poste une vidéo sur sa page Instagram. Pour faire un débat sur le son, il n'y a pas l'argent dedans. Vu qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il a fait le son, qui n'arrivent pas à imaginer du tout. Donc il veut faire mieux comprendre aux gens pourquoi il a fait le son, il n'y a pas l'argent dedans. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa page Instagram, allez vous abonner à sa page pour mieux suivre le débat. La famille, c'est tout pour cette news. Si t'as plu, n'oublie pas de liker, commenter, partager, afin de me donner de la force et tout. Allez, on se retrouve de news sur Dramé. Prenez soin de vous, à la prochaine.